comme le bon Dieu voudra. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter quelqu'un. Voilà, Léontine Delivet. Je vous fais passer les photos. Est-ce que quelqu'un la connaît? Oui, Camille? Bah, ici, c'est sa maison, non? Oui, c'est la maison d'Olivet. Le 17 mars 2017, il y a un dossier qui a été ouvert. Les gens du village la considèrent comme une sainte et ils ont envie qu'elle soit béatifiée. Donc du coup, il y a une enquête. L'Église catholique s'est penchée sur sa vie. Et du coup, peut-être qu'un jour, elle sera sainte et qu'on montrera sa vie comme un modèle pour tous les catholiques du monde entier. On va la découvrir ensemble? Oui! Allez, on y va. Alors, cette maison a été achetée en 1908 par le père de Léontine. Ils étaient commerçants à béton. D'ailleurs, j'ai une photo, on les voit dessus. Je vous la fais passer. Tiens. Vous savez quelle était la grande préoccupation de Léontine? Elle tenait le commerce de ses parents? Parfois peut-être, mais elle était surtout catéchiste. Elle avait constaté que les enfants de la paroisse, les garçons de la paroisse, n'avaient plus d'enseignement religieux après l'expulsion des frères instituteurs. Alors avec des amis, elles se sont mises à faire la catéchèse. C'était leur métier? Elles étaient payées pour faire ça? Non, elles n'étaient pas payées. C'est surtout une mission d'être catéchiste. Et dans le cas de Léontine, c'était une véritable vocation. Pendant plus de 60 ans, elle a passé sa vie donc à enseigner le catéchisme aux enfants de béton, aux garçons de béton qui étaient à l'école publique. Léontine allait souvent rendre visite aux malades, que ce soit les enfants de son groupe de catéchèse ou les autres, en fait, tous ceux qui avaient besoin de réconfort. Pour elle, c'était très très important de leur prouver que Dieu était là, même dans la souffrance. Elle était gentille, Léontine. Elle avait des enfants? Non, elle n'avait pas d'enfants. Elle était consacrée. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Elle était religieuse. Alors pas vraiment. En fait, elle avait pensé rentrer au Carmel, puis elle y a renoncé. On l'avait même demandé en mariage. Elle a préféré le célibat. Donc elle ne s'est pas mariée, elle n'a pas eu d'enfant. En fait, elle a consacré sa vie à sa mission de catéchiste. Elle était toujours disponible pour tout le monde. Tous les jours et même plusieurs fois par jour, Léontine faisait ça. Elle traversait la rue, elle montait les escaliers et elle allait à l'église. C'est certainement là qu'elle a passé le plus de temps. Elle y venait plusieurs heures par jour. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle priait simplement en silence. Allez, suivez-moi. Quand elle priait, on avait l'impression qu'elle riait avec Dieu, comme s'il y avait une vraie joie qui émanait, alors que c'était plutôt, et les gens le disent aussi, quelqu'un de plutôt très réservé, une vie très austère. Quand elle était en prière, c'était comme un bulldozer serait rentré dans l'église et n'aurait pas bougé la tête. C'était impressionnant. Fermer les yeux, elle était comme en extase, quoi. Avec un demi-sourire sur son visage. Son visage était transformé et on se demandait parfois s'il n'était pas en vision, en face à face, direct avec Jésus. On s'apercevait qu'il y avait quelque chose qui se passait en elle, malgré qu'on était jeunes. On était espiègles aussi, puis on regardait quand même un petit peu. Quand on était dans l'église à gauche, auprès de la nef, là-bas, on sentait que priait. On sentait qu'elle n'était plus là. Aimer la vie cachée, ce fut celle de Jésus pendant 30 ans. Quelle leçon! Me cacher, me taire, m'envelopper de solitude et de silence, en union avec Jésus à Nazareth, avec les mêmes intentions que lui, aimer la vie cachée, la gloire de Dieu et le salut des âmes. J'aimerais, au cours de mes journées, les heures de silence et de solitude possibles. Je multiplierais et saisirais avec un saint empressement et une sainte joie les instants de solitude et de silence. J'ai eu des témoignages assez forts. Je me souviens bien, dans la cour, là, devant la maison d'Olivet, un jour, quelqu'un qui m'a dit
Voilà, si Mademoiselle d'Olivet n'est pas au paradis, personne n'y sera. Toutes ces personnes qui ont parlé ont témoigné, chacune à leur manière, avec leur langage propre et leur vocabulaire propre, que c'était une sainte, que pour eux c'était une sainte. Tous ceux qui étaient là de ce moment-là, ils sont unanimes pour dire que c'était qu'elle s'occupait des enfants, qu'elle était formidable, que c'était vraiment une personne charitable, aimante, tout. Mademoiselle d'Olivet, je pense qu'elle nous a montré le sens de servir. Et puis, moi, comment dirais-je, pas modestement, mais si, un peu quand même, quoi. Ne pas non plus se mettre toujours en valeur pour autant. Être naturel, on fait parce qu'on veut bien le faire, on ne le fait pas ni pour se faire voir, ni par corvée, on le fait naturellement, autrement on ne le fait pas. C'est bienvenu qu'elle soit reconnue à Rome de tout ce qu'elle a pu faire auprès des enfants ici, de notre paroisse. Hein. Il s'appelait Collet, celui-là. Je ne l'ai pas connu, moi j'étais Satan avant moi, qui était instituteur à l'école publique et qui était hanté. Donc, il disait qu'il ne connaissait qu'une vraie catholique à béton, cette Léontine d'Olivette. Il exagérait peut-être, mais enfin, pour lui, elle, c'était une pure. Le père Francis Oran, il a commencé à interroger les bétonnets, et à chaque réponse, c'était « Mais mademoiselle d'Olivet, mais c'était une sainte !» Dilater sans fin nos capacités d'aimer. Il nous plaît souverainement dans notre vie consacrée au service de Dieu que tout en nous soit un élan vers Dieu, une ascension de notre âme, de notre cœur, de tout nous-mêmes vers Dieu. Quelle mesure offrir à l'amour infini, sinon une mesure qui soit sans mesure? Il s'agit de dilater sans fin nos capacités d'aimer. Léontine est donc, était catéchiste de son état pendant toute sa vie, ici à Béton, et elle n'a rien fait d'extraordinaire, mais elle a marqué vraiment profondément son époque et tous les gens qui l'ont connue, et notamment tous les garçons qui sont aujourd'hui des vieux monsieur, qui ont été catéchisés par elle, parce qu'elle a été vraiment quelqu'un qui a vécu l'Évangile d'une façon assez extraordinaire. Léontine est née en 1888 dans une famille chrétienne bien connue de Béton. Elle est allée à l'école des sœurs où elle passe son certificat d'études et poursuit jusqu'au brevet élémentaire qu'elle obtient à l'âge de 16 ans, ce qui est pour les jeunes filles de l'époque un privilège. Très tôt dans son enfance, elle vit des temps forts spirituels, des pèlerinages à Lourdes et retraites. Un jour, elle entend un appel à entrer au Carmel. Elle n'avait que 15 ans au moment de ce choix. Son père lui demande d'attendre sa majorité, 21 ans à l'époque. Léontine a 15 ans de moins que Thérèse de Lisieux. Elle lit son livre, L'histoire d'une âme, et fait connaissance avec la petite Thérèse, ce qui la marquera toute sa vie. À cette période survient la séparation de l'Église et de l'État, période très douloureuse pour les congrégations religieuses, dont celle des frères de Ploermel. Ces derniers sont chassés du jour au lendemain de Béton et tous les garçons de l'école libre rejoignent l'école publique. Ils ne reçoivent donc plus d'instruction religieuse. Léontine, sensible à cet épisode, sent comme un appel à s'occuper de ces garçons. Elle en prend en charge 3 ou 4 chez elle, puis des amis de la paroisse limite. Ainsi, un nombre conséquent de jeunes poursuivent leur instruction religieuse. Au bout de 3 ans, en 1908, la maison des frères de Ploermel est toujours libre. Le père de Léontine la rachète pour un jour la redonner à l'église. Léontine peut compter alors sur une grande salle de classe où elle accueille beaucoup d'enfants. Elle se forme pendant 1 an avec les catéchistes du diocèse. Fort de cette expérience, elle décide de créer à Béton l'œuvre des catéchistes volontaires en 1909. Et l'aventure commence pour Léontine avec 2 de ses amis dans cette maison qui deviendra la maison d'Olivet. La collaboration avec l'école publique voisine est immédiate et dès 1910, 97 élèves suivent un parcours catéchétique sous la responsabilité de Mademoiselle d'Olivet. Elle passait discrètement avec son livre, elle a toujours un missel sûrement, et puis, le chapelet peut-être pas invisible, mais elle avait au moins toujours un livre, un missel dans les mains. Elle allait de l'église à son domicile 2 ou 3 fois par jour. Quoi. Moi qui ai connu ce que c'est qu'un Carmel, elle était au Carmel. Elle a fait en sorte son environnement pour.
Et ça, c'est d'ailleurs très étonnant. Et moi, j'ai toujours dit, c'est génial ce qu'elle a pu faire, dans le sens qu'elle souhaitait aller au Carmel. Elle a, pour différentes raisons, elle a vu qu'elle avait une mission à remplir auprès des enfants, mais elle a mené les deux ensemble, parallèlement. Elle ouvrait l'église tous les matins, vers la messe du matin était à 7h à l'époque. Elle arrivait environ un petit peu avant. Elle ouvrait l'église et c'est mes grands-parents, moi qui étais sacristain à l'époque, qui la fermaient le soir. Donc tous les matins, elle était à l'église à 7h, même un petit peu avant 7h, jusqu'à 8h30. C'était une petite femme très très effacée à l'ombre de toute vie extérieure. Elle avait fait vœu de pauvreté, donc bien sûr, c'était pas la grande richesse dans sa maison. C'était bien sommaire, mais c'était son choix. Je n'ai jamais vu une critique sur elle. Oh ben non, c'était impossible. Ah, c'était impossible, non. Elle était effacée, elle était très serviable, et puis elle accueillait tout le monde. Quelle folie d'amour est l'Eucharistie! Je renouvellerai chaque jour dans mon action de grâce à mon divin maître l'offrande d'un don absolu et d'un abandon définitif. L'amour se donne tout entier, avec profusion, sans réserve. Il se livre avec ardeur, véhémence à ceux qu'il aime. Quelle folie d'amour est l'Eucharistie! Au cours de mes journées, aimer à m'unir à l'offrande perpétuelle de Jésus hostie, que dans ma vie quotidienne, mon âme soit vraiment un paradis de délices, où la plus délicate charité ne connaisse pas d'ombre, ni dans mes rapports avec vous, Seigneur, ni dans mes rapports avec les âmes avec lesquelles je vis. Une fois rentré à l'école ici pour 9 heures, et on partait à 10 heures moins le quart, parce qu'il y avait un enterrement à 11 heures, où il fallait aller chercher le défunt aux confins de la commune. Et il n'y avait pas de problème avec les instituteurs, il y avait une bonne entente entre tous les gens qui s'occupaient des enfants. L'école, le public, la mademoiselle Delivet, les prêtres, tout ça, ça fonctionnait sans problème. Les filles allaient à l'école privée des sœurs. Il n'y avait pas d'école privée de garçons pour les garçons. Donc ils allaient à l'école publique. Et la catéchèse se faisait ici. Et en accord avec les enseignants de l'école publique, ils venaient sur le temps de midi pour la catéchèse et sans doute aussi le jeudi. Elle disait tous les matins, les enfants que je vais voir au cathé, c'est Jésus que je vais voir en eux. Je crois qu'il y a des jours, elle se fâchait. Il y en a qui le disent. Elle n'en pouvait plus non plus. Et puis elle était découragée. Et puis... Elle disait, mon Dieu, que c'est difficile. Bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour. 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 Allez, installez-vous. Attendez. Les enfants. Je vais vous raconter l'histoire de deux jeunes filles qui voulaient faire leur communion solennelle. Chaque matin, elles allaient à la messe. Elles disaient qu'elles allaient à la messe tous les matins. Moi, je lui ai dit, pas très haut, mais Léontine avait l'oreille fine, je lui ai dit, c'est des chouans chouettes. Des vieilles chouettes. Qui a dit ça? Pierre, à la porte. Alors, je suis allé à la porte, mais comme il était midi moins le quart, je suis rentré. Et le lendemain, je ne suis pas revenu. Alors, Léontine, Gilles d'Olivette, a dit, « Ah, Pierre n'est pas revenu, dites-lui que je lui pardonne pour qu'il revienne. » Et le lendemain, je suis revenu, et elle m'a dit, « Pierre, désormais, tu te mettras à côté de moi. » Et puis là, auprès d'elle, j'avais le devoir de lire les principaux textes. On était assis sur des bancs dans les quatre coins de la salle. Il y avait le poêle au milieu aussi, réchauffer un peu l'ambiance hiver. Donc on apprenait le catéchisme par cœur. On avait un petit livre, il était assez épais quand même.
On avait les actes de contrition et tous les credos, tout ça. Je crois en Dieu, charité, tout ça, on apprenait par cœur. Aujourd'hui, on va apprendre à faire le signe de croix. Je vais vous le montrer une fois et ensuite on le fera tous ensemble. D'accord ? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, on va le faire ensemble. On se redresse. Vous êtes prêts ? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Elle formait ses catéchistes. Elle travaillait avec elle à préparer la séance. Après la séance de caté, elle faisait le point, elle faisait le bilan avec celle qui pouvait. C'était tout un travail d'équipe pour arriver ensemble à faire un beau travail, je pense, auprès des enfants. À la sortie des classes de midi, on venait au catéchisme chez Léontine d'Olivette avec plusieurs groupes. Il y avait 4-5 groupes dans la salle. Donc il y avait Léontine, Madame Chauvel, Madame Labbé, je ne sais plus qui, enfin, il y avait 4-5 anciennes personnes qui nous... Enfin, pour nous, c'était des anciennes personnes. Maintenant, c'est relatif parce que j'ai 72 ans, 73 ans même. Donc ça passe, les années passent. Madame Cotenceau, alors là, c'était un véritable gendarme. Et je vous assure qu'elle venait mettre la police quelquefois aussi, elle, là. Oh oui, il y avait 4 ou 5 dames catéchistes. On l'appelait ça les dames catéchistes. Et là, est-ce que vous reconnaissez ? Oui, c'est la Vierge Marie. C'est la prière à la Vierge Marie. Et vous voyez, je vous salue, Marie. Marianne, je vous salue, Marie. Pleine de grâce, l'heure est dans le ciel. Le Seigneur est avec vous. La mission de catéchiste, qu'est-ce que c'est chez Léontine ? C'est pas du tout de faire de la catéchèse, pas du tout de faire le parcours de la catéchèse. C'est pas ça qui l'intéresse. C'est que ces garçons qu'elle a en face d'elle deviennent des chrétiens. Un certain nombre parmi les grands nous échappent. Quelques-uns, par contre, restent fidèles jusqu'à leur sortie de l'école. J'ai eu le plaisir de distribuer à ceux-ci pour récompense le catéchisme en image de la bonne presse. Ils ont été ravis. Et plusieurs, avec l'espoir d'être aussi favorisés l'an prochain, quittant définitivement l'école, ont dit « Je viendrai tous les jours ». Condition indispensable. Pas de récompense pour ceux qui nous abandonnent après la communion solennelle. Dis-moi, Joseph, ça fait longtemps que j'ai pas vu ton frère. Il va bien ? Il m'a mal, mademoiselle. Maman dit qu'il ne pourra pas sortir pour l'instant. Il tousse. Tu diras à maman que je passerai le voir cet après-midi. D'accord. Je connais Léontine d'Olivette depuis 1941. Parce que en 1942, j'ai été opéré à Rennes de la tête, à la clinique Sainte-Anne. Et comment, je me suis retrouvé dans le plot un mois chez mes parents à Mézières après l'hospitalisation. Et Léontine venait me faire le catéchisme une fois par semaine pendant un mois. Bonjour Bernard, tu vas bien ? Comme tu ne peux pas venir jusqu'à chez moi pour le catéchisme, c'est moi qui viens à toi. Tu veux bien que je vienne te parler de Jésus ? Oui. Quand elle parle de Dieu, sa manière de parler de Dieu fait que parfois, elle dit dans ses cahiers que les enfants ont les yeux qui sont lumineux. Parce que tous les enfants sont faits pour Dieu. Tout enfant est capable de Dieu, comme on dit. Et Léontine savait rejoindre cette capacité de Dieu. C'est pas que les enfants sont plus malléables, c'est que les enfants sont plus purs. Il y a une belle innocence chez un enfant, c'est-à-dire une belle ouverture à la transcendance. Et si on met pas une parole juste sur Dieu dans cette ouverture, il y a quelque chose qui va mal se passer. Si on met une parole juste, et c'est ça que faisait Léontine, sa parole et son témoignage. Parce que les enfants ne sont pas idiots. Aujourd'hui, comme hier, ils voient quand quelqu'un est sincère.
quand quelqu'un est habité par Dieu. Mademoiselle Léontine, ma petite sœur Blanche est morte. Oui, Jean. Monsieur le curé me l'a dit. Tu vois, j'ai dit le chapelet pour elle et pour ta maman. Pourquoi le bon Dieu l'a-t-il ramenée? C'est un grand mystère, Jean. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la prière aide à vivre cette épreuve. Jésus peut consoler les cœurs. Veux-tu que nous disions une prière pour ta petite sœur? Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Elle vivait continuellement, dans un état de prière. Elle ne faisait pas sa prière, elle était prière. Toute sa vie, elle a essayé de vivre cette parole de saint Paul aux Galates, chapitre 2, verset 20. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Il n'y a qu'une manière d'être saint, c'est d'être. Pour être pleinement, il faut nous donner à Dieu, me donner totalement pour ne faire qu'une chose, la volonté de Dieu, à chaque instant de ma vie, dans l'unique but de glorifier le Seigneur et de travailler à l'extension de son règne et me livrer pleinement pour que le bon Dieu dispose de moi à son gré, n'être que sa petite chose. J'ai l'impression de m'être trouvé tout naturellement ici, à la sortie de la classe. Et c'est ce qui se passait. On sortait à midi et la plupart des familles faisaient passer leurs enfants chez Mlle de Yvet. Et donc, on était juste à côté, on passait là et on en sortait à une heure. Et après, on faisait la course pour être le premier à sonner l'Angélus, parce qu'il y avait la famille Souchet qui était les sacristains, qui étaient chargés de faire sonner les cloches aux Angélus, tout ça. Et nous, ça nous amusait. On galopait, on montait l'escalier en vitesse pour être les premiers à pouvoir sonner, teinter. Voilà. Chaque année en juillet, la salle est vide. Elle n'entend plus les cris et les rires. L'heure pour Léontine est à une certaine nostalgie. Mais elle est surtout le moment d'une révision de sa vie personnelle, sa retraite, son temps de désert. Pour Léontine, elle vit l'Église pleinement dans ses éléments constitutifs. Célébration des sacrements, annonce de la parole de Dieu, charité. Indépendamment de la catéchèse, Léontine témoigne de sa foi dans tous les aspects de sa vie, la prise en charge de ses parents et le soin aux plus démunis, faisant d'elle une chrétienne intégrale. Elle envoyait des colis aux prisonniers de guerre et tout, oui, en Allemagne. Qu'arrivait ou qu'il n'arrivait pas, parce que... On sait ce que c'est que la guerre. Hein. Elle a connu les deux guerres mondiales, les difficultés matérielles de la première moitié du XXe siècle. La vie matérielle était très difficile. Hein. Elle avait des enfants. Je suis sûr qu'elle a dit, il y a des catéchistes, elle les achetait, elle a dû en donner, elle a pas dû tous les vendre. Elle a sûrement fait des cadeaux à des gens qui n'auraient pas acheté le catéchisme. Hein. Elle était, mais tout ça tellement... Simplement, sans... elle faisait même, ça me revient, ça ne sert à rien, elle faisait le colis des anciens. Avant maintenant, il y a les CCAS là, dans les municipalités, mais avant, tous les ans, les anciens qui étaient pour indigents, mais très, très, très faibles, qu'on appelait ça à l'époque économiquement faibles, il y avait un colis de Noël. Moi, j'ai vu des gens qui étaient de béton, qui avaient de nombreuses familles et qui... comme on dit, qui traînait le diable par la queue, eh bien, elle leur donnait, parce qu'elle avait un poulailler, elle leur donnait des volailles, ça je m'en souviens très bien. Et ces gens-là, les familles à qui elle donnait comme ça, eh bien, je me rappellerai toujours que le jour de son enterrement, ils étaient à attendre le corps à la porte de l'église. Alors c'est des gens qui avaient quand même...
une reconnaissance envers Léontine, quoi. Le style de la Sainte Vierge se donnait totalement, simplement, inconditionnellement, sans limite quelconque, et sans même parfois désirer de savoir à quoi ça sert. J'aimerais beaucoup la Sainte Vierge. J'ai mis ma retraite sous sa protection. Je l'ai suppliée de préparer mon âme pour l'oblation de tout mon être à Jésus. Et maintenant, ô ma bonne mère, je vous en prie, réparez les accrocs que le long de la route je pourrais faire à mon vêtement et enlever la poussière qui pourrait s'y attacher. Aidez-moi surtout à être fidèle, inlassablement fidèle. Elle avait pris les moyens, aussi bien du côté du Carmel que du côté d'avoir un directeur spirituel et de ses lectures à elle, elle avait pris les moyens de rester dans la foi et de perfectionner sa foi, et de faire aussi de la théologie. Et lisait des bouquins de l'époque, qui l'aidaient à être catéchiste, pas simplement par le bon cœur, mais aussi par la compétence. La science du pur amour. Donner aux catéchistes de béton la science du pur amour, que cet amour déborde de leurs âmes. On ne donne que ce que l'on a en surabondance. Donnez-leur l'esprit de sacrifice, base du véritable apostolat, et exaucez leur unique et ardent désir. Vous gagnez à jamais les âmes des enfants. Vous donnez, Jésus, aux âmes d'enfants. C'est le père Francis Oran qui a le premier mesuré l'ampleur de la vie de Léontine. 35 ans après, Marie-Anne Bévert, laïque consacrée, a accepté à la demande de Mgr Dornelas la responsabilité de la postulation de la cause de béatification. De son vivant, l'engagement de Léontine avait été reconnu localement. 50 ans plus tard, l'archevêque de Rennes veut lui donner une dimension universelle. Alors, vous avez ici, vous voyez, les classeurs, les cahiers ou les carnets que Léontine Delivet nous a laissés, enfin que nous avons retrouvés plutôt. Il y a des carnets, des cahiers dans lesquels elle écrivait ses retraites. Il y a des cahiers dans lesquels elle écrivait, une fois par an, le compte-rendu de son année de catéchisme, en expliquant comment ça s'était passé. Et puis, il y a des cahiers où il y a simplement... par mois, le nom des enfants et leur présence, ou bien les bons points qu'ils ont eus. Il y a différentes choses selon les années. Comme elle a fait le catéchisme pendant 68 ans, du début jusqu'à la fin, elle n'a pas dû travailler toujours de la même façon. Mais donc, on a des indications comme ça, un petit peu sur la façon dont elle se donnait des repères sur la présence des enfants, sur la qualité de leur travail. Et puis donc, pendant ses retraites une fois par an, eh bien, elle écrivait sa vie intérieure et elle faisait le bilan de son année de catéchisme. C'est le tout premier carnet que nous possédons de Léontine. Il est en date de 1910. Du 4 juillet, c'est sa première retraite que nous avons dans les mains. Et les premiers mots de ce carnet, c'est « Je suis une chrétienne, je suis une apôtre ». C'est une phrase que nous avons retenue souvent dans nos articles et dans nos interventions, parce qu'elle résume toute la grâce baptismale de Léontine. Pourquoi elle a vécu toute sa vie dans cette dimension d'apôtre et de missionnaire. La disciple du Christ, je suis une chrétienne. Et je suis une apôtre, je suis une missionnaire. Voilà, c'est le premier carnet. C'est tout petit, mais c'est bien plein. Après son décès,
les carnets de vie nous ont été confiés. Avec un de mes frères, nous avons commencé à les parcourir. Et devant une telle spiritualité, nous ne nous sommes pas permis de continuer. Continuer, c'était une violation de sa vie spirituelle. Et c'est pour cela que nous les avons transmis à la maison paroissiale. Pour nous, ces carnets ne nous appartenaient pas, ils appartenaient au diocèse, à l'Église. Et c'est effectivement le père Francis Oran qui les a récupérés, oui. Une prière de Léontine en 1916, à la fin d'une année scolaire, donc juste à la veille des vacances, en faisant le bilan un petit peu de son année scolaire avec les enfants. Elle prie, elle s'adresse au Seigneur. « Je vous demande le courage de la lutte dans les combats de la vie, la force de souffrir et de sourire dans l'épreuve. Je vous demande un cœur de feu pour vous aimer, un cœur d'or pour aimer les âmes, un cœur de fer pour dompter une nature souvent rebelle. Seigneur, vous m'exaucerez, j'en ai la douce confiance. Et alors, dédommagement de toutes les souffrances, nous aurons travaillé à l'extension de votre règne sur la terre. » De quelle manière? En faveur de quelles âmes? C'est votre secret. Peut-être n'aurons-nous jamais la joie de recueillir ici-bas les fruits de nos labeurs. Peu importe, avec votre secours, nous ne nous découragerons pas. Au-delà de la terre, nous regarderons le ciel. Au-delà du temps, l'éternité. Au-delà du cœur de l'homme ingrat et insensible souvent, le cœur de notre Dieu aimé et glorifié. Vive Jésus dans le très saint sacrement. Les gens m'inquiètent beaucoup. Depuis que sa petite sœur est morte, il est très silencieux. J'ai essayé de le faire parler, mais il ne veut rien me dire. Votre prière sera sans doute d'un grand réconfort pour lui. Oui, je prie tous les jours pour lui, pour sa petite sœur et pour sa maman. Est-ce que vous avez des nouvelles de Bernard aussi? Oui, il est toujours alité. Je viens tous les jours chez lui pour lui parler de Jésus. Mais il tousse beaucoup. Sa mère a peur qu'il soit tuberculeux. Je vais prier pour lui. Mais il vous en sera gré. Le père Oran raconte comment elle a été reconnue par la plupart des curés qui l'ont reconnue et mise en valeur. Et le cardinal Roch est venu deux fois la décorer. Et en 1957, quand elle a reçu la médaille du mérite diocésain pour ce service rendu, il y avait déjà énormément de monde et c'était conséquent puisqu'on lui offrait une médaille qui n'était pas remise à tout le monde quand même. Hein. Et quand le cardinal Roch est venu pour lui remettre cette médaille, quand il s'est rendu compte du témoignage qu'il y avait autour d'elle, il a dit « Ah mais c'est pas la médaille diocésaine qu'il lui faut, c'est la médaille pontificale ». Donc 8 mois après, il revenait lui apporter, lui remettre la médaille pontificale. Aujourd'hui, on se souvient beaucoup de Léontine d'Olivet, une laïque, mais on se souvient moins des prêtres qui ont œuvré et qui l'ont accompagnée aussi dans sa mission à l'époque. C'est intéressant. Quand on lit tous ses écrits, où elle a écrit pour elle-même, et très rarement pour les autres, elle a écrit quelques lettres pour les autres, des cartes postales, mais c'est surtout pour elle-même, et donc elle ne cherche pas à se montrer, mais ce qu'elle montre d'elle-même, c'est une personne exceptionnelle, exceptionnelle. Le fait qu'on s'intéresse à cette petite dame discrète, qui a œuvré vraiment dans l'ombre, parce que je vois, rien qu'à sa façon de s'habiller, les témoins disent souvent, c'est quelqu'un qui était discret, qui ne faisait pas de bruit, et qui était efficace. Par ses écrits, par ce qu'elle a fait, par son attitude, je pense qu'elle est un modèle et que ça peut vraiment justifier, ça justifie cette cause de béatification. Elle était vraiment habitée par ce désir de transmettre la foi. D'abord, ce qui est assez frappant, c'est que c'est vrai que, en tout cas, quand elle a commencé, la catéchèse, c'était vraiment le boulot des prêtres. Hein. Et donc, elle a encouragé le fait que aussi les laïcs s'engagent dans la catéchèse, et elle l'a fait, bien sûr, avant le Concile Vatican II. Donc déjà, je trouve que ça, c'est aussi un signe pour nous aujourd'hui, l'engagement des laïcs dans l'évangélisation. Elle était sans doute en avance
et pour utiliser ces outils pour transmettre l'évangile. Ça a marqué beaucoup, hein. Ça a marqué beaucoup les enfants qui l'ont connu au catéchisme. Le père Baudu me demande de porter la communion à Mlle Delivette dans sa chambre. J'arrive à la maison, donc c'était après la messe du matin, je suppose. J'arrive à la porte de la maison. Anna, l'employée de Mlle Delivette, m'ouvre la porte et me conduit à la chambre. Et là, j'entre dans une chambre où il y avait un grand lit avec une toute petite dame au milieu de son lit, dans un grand, assise contre un grand édredon, toute perdue dans cet édredon. J'arrive, moi j'étais un peu intimidé, c'est la première fois que je donnais la communion en plus à un malade, et à elle en plus. Donc on fait la prière, je lui donne la communion, petit temps de silence après. J'accepte par avance et de tout cœur toutes les souffrances qu'il vous plaira de m'envoyer. Je vous en remercie, je les unis à vos souffrances, je les placerai dans le calice et sur la patène des prêtres qui célébreront. Heureuse d'avoir quelque chose à vous offrir, de pouvoir mêler quelques gouttes de mon sang au sang rédempteur. Trop heureuse si, par la souffrance amoureusement acceptée, je puis consoler votre sacré cœur et vous gagner des âmes. Je veux sourire à l'épreuve, baiser ma croix avec amour. Et si un jour vous me demandiez d'aller plus loin dans l'immolation, donnez-moi la grâce de ne rien vous refuser. Heureuse d'avoir quelque chose à vous offrir, de pouvoir mêler quelques gouttes de mon sang au sang rédempteur. Moi, je suis parti et voilà, ma rencontre personnelle avec elle, c'était ça. C'était très, très limité à ça. Elle a eu des heures d'agonie, elle a beaucoup souffert. Elle l'attendait, cet instant, ce moment. C'est pour ça que je me dis que c'était un moment plus joyeux que douloureux. Bien que décédée il y a près de 50 ans et en retraite de son ministère depuis 60 ans, la filiation entre les catéchistes d'aujourd'hui est naturelle et évidente. Léontine, par son action, l'exemplarité de sa vie, l'amour immodéré de la parole de Dieu, est toujours présente pour Sophie Duhaut, catéchiste à Béton. Après avoir animé des séances d'éveil à la foi, catéchiste depuis 4 ans sur la paroisse Jean-Paul II de Béton, cette arrière-arrière-cousine de Léontine d'Olivet s'inscrit dans son sillage et la similarité entre les deux femmes est saisissante. Véritable éducatrice à la foi, elle propose aux enfants de découvrir la parole de Dieu de façon stimulante, ludique et intime. Un moment de partage unique, l'art de ce ministère singulier. Et la fête de Jésus qui part, son esprit continue sa mission dans le monde par les apôtres. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça, Noé? Oui, je crois que c'est parce qu'il pleuvait et tout ça. Oui, Joseph, pour sauver de nous. Pour sauver, oui. Il a emmené un couple de chaque espèce. La catéchèse, c'est inviter l'enfant à communiquer, à être en lien, à s'unir par son cœur, par sa pensée, par son attitude, par ses actes au Seigneur. Donc, ce n'est pas toujours facile pour eux. Parce qu'ils sont un peu démunis. Mais justement, en catéchèse, on invite vraiment... Les catéchistes sont eux-mêmes des parents. Voilà. Donc, ils savent bien les réalités difficiles pour les enfants. Et je pense qu'ils sont très soucieux de les amener à montrer que finalement, prier, on est invité à le faire à la messe, mais on peut le faire 24 heures sur 24. C'est mieux que le McDo. Moi, je le dis souvent, c'est partout... Quand on veut, cette communication avec le Seigneur, elle est simple. Il n'y a pas besoin d'un protocole, d'un processus, d'une démarche compliquée et intellectuelle. C'est un cœur à cœur. On invite les enfants, et ça c'est un de mes premiers chevals de bataille. Quand on prépare avec les prêtres de la paroisse, les catéchistes à animer les séances caté, c'est la prière. Tout le monde a son petit chant ? Qu'est-ce qu'on fait quand on voit ce qu'on va faire ? On prend sa main au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et notre petite lumière, c'est pour que vous ayez bien conscience que Jésus est là avec nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Je vis pour Dieu et pour les enfants. Je comprends les prédilections du Maître pour les enfants. Je le remercie d'avoir déposé au fond de mon cœur quelque chose de cette tendresse qu'il avait pour eux. Et je le supplie, en augmentant mon amour pour lui, d'augmenter aussi, si toutefois il est possible, mon amour pour les chères âmes qu'il m'a confiées, bien convaincue que, dans l'œuvre de l'éducation, rien ne se fait sans amour.
Se donner, mais sans retenue, c'est quelque chose d'incroyable. Elle est avec les enfants, mais parce que c'est le Christ qui les rejoint. Elle a un amour inconditionnel pour les enfants, mais c'est le Christ qui est là, qui est à travers eux, si je puis dire. Elle se considérait comme un petit sarment. On s'identifiait un petit peu à elle. Sa mission première, c'était de mettre les enfants en relation avec le Seigneur. Elle avait une phrase pas forcément évidente à comprendre du premier coup, « Je veux porter les âmes des enfants auprès du Seigneur et apporter l'âme du Seigneur auprès des enfants. » C'est peut-être pas intitulé exactement de cette manière-là, mais elle voulait mettre en relation, en contact, les enfants avec Dieu. J'ai compris que c'était ça sa priorité, et je pense que c'est vraiment l'esprit du catéchiste, en fait. C'est avant tout ça, mettre sur le chemin, mettre en lien. Son souci, c'était vraiment d'embarquer les familles. Elle disait souvent, donc à nouveau une phrase que j'ai souvent en tête, « Donnez-nous des mères chrétiennes ». Bon, les papas étaient un petit peu moins présents, et elle avait compris qu'en fait, il fallait que les parents s'impliquent dans la catéchèse, dans la pratique de la messe, pour donner du sens aux yeux des enfants. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui une des priorités, en fait, qu'on explique aux catéchistes. Il faut vraiment avoir et cette attitude de bienveillance, d'amour, d'être soi-même témoin de cet amour de Dieu dans la relation à l'enfant, et aussi faire du lien avec les familles, inviter les familles à expliquer ce qu'on a découvert de la parole de Dieu, inviter les familles aux messes des familles, inviter les familles à lire des prières. Je crois vraiment qu'elle est un modèle pour les catéchistes. Vous savez, aux Philippines, j'ai entendu parler de ce catéchiste qui a été tué. Et pourquoi il a été tué? Parce qu'il a décidé de partir dans les montagnes, parce qu'il ne pouvait pas laisser des enfants sans connaître Jésus. Donc il a décidé de partir à ses risques et périls. Il savait que c'était dangereux. Voilà. Mais il a été tué. Il y a des appels de Dieu assez forts, malgré les dangers mortels, des personnes s'engagent pour la catéchèse. Eh bien, Léontine, elle a cette même vocation d'être catéchiste, c'est-à-dire non pas de faire de la catéchèse, comme dit le pape François, il s'agit d'être catéchiste et non pas de faire de la catéchèse. Je pense qu'elle a reçu cette vocation et elle est un modèle pour tous ceux et toutes celles qui reçoivent cette vocation. Ça fait 2000 ans, dans le fond, qu'il y a des catéchistes. Ça fait 2000 ans qu'il y a des enfants qui apprennent à découvrir Dieu et la foi et la manière de se comporter quand on connaît Dieu. Et il me semble que Léontine est un exemple admirable pour tous les catéchistes du monde, j'en suis sûr. La régularité des enfants à fréquenter la salle de catéchisme demeure. Cependant, les absences ont été plus nombreuses cette année. Nous avons même eu des désertions dont le nombre a augmenté après la communion solennelle. Pauvres enfants, ils ne comprennent pas leurs véritables intérêts. À leur âge, ils sont excusables, leurs parents le sont moins. L'an dernier, je parlais avec regret de quelques unités qui ne paraissent jamais à notre salle, élevées en dehors de toute idée religieuse. J'y avais gagné un, mais hélas, enfant totalement dépourvu et sans bonne volonté. Nous n'avons obtenu que de rares présences dans le cours de l'année. Les derniers mois, nous ne l'avons plus revu. Résultat, il a appris, oh, très imparfaitement, quelques formules de prière. Et il s'agit d'un enfant de 11 ans. Quant aux deux autres petits, enfants de parents très éloignés de toute pratique religieuse, ils arrivent un jour à la salle de catéchisme manifestant le désir d'y accompagner leurs petits camarades. Quel Deo gratias! Gagner les enfants et par eux peut-être les parents, plus tard. Mais hélas, malgré les caresses, les encouragements, l'aîné est venu un seul jour et le petit 3 ou 4 jours. Nous ne les avons plus revus. Il y a une illusion de penser qu'hier était mieux qu'aujourd'hui. La nature humaine, c'est la nature humaine. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que la sociologie n'est jamais la foi. Ce n'est pas parce qu'il y a une sociologie chrétienne que les gens ont vraiment la foi en Dieu. Ils ont des habitudes, parfois même des habitudes de pratique chrétienne, mais dans les familles, est-ce qu'on croit vraiment en Dieu? On vit ses habitudes. Mais est-ce qu'il y a vraiment la foi vivante? Comme dit le pape Benoît XVI, c'est une amitié avec le Fils de Dieu. Alors il y en a sûrement qui vivent cette amitié, il y en a qui ont ce sens de Dieu, qui vivent la foi en Dieu. Le catéchisme, c'est un moment de rencontre, c'est un moment où on leur apprend à vivre les uns avec les autres. La catéchèse prend tout son sens quand même
dans la vie des jeunes aujourd'hui, parce qu'ils sont très sollicités, c'est l'art plastique, la danse, le dessin, le judo, le football, enfin, ils font plein de choses extraordinaires. Et ce qu'ils sont invités à découvrir, c'est que la catéchèse vient irriguer justement tout leur domaine d'activité, que ce soit à la maison, dans le voisinage, à l'école, mais dans toutes leurs activités. Ce que nous invite à vivre le Seigneur, prendre son chemin d'amour, ben ça, ils sont invités à le vivre dans tous les domaines de la vie. Et je dirais que c'est voilà, la prière et l'attitude d'amour avec son prochain dans tous les domaines de la vie de l'enfant. Et ça, les enfants le comprennent bien. Hein. Ça reste concret, finalement. Ils se rendent compte qu'ils sont invités eux-mêmes à, eh bien, à avoir cette attitude d'amour. Pape François a eu cette merveilleuse initiative de créer le ministère de laïcs, catéchistes, en disant que c'était une vocation. Ça met en avant d'abord un ministère de laïcs dans l'Église, un ministère institué, donc c'est une reconnaissance institutionnelle qui valorise beaucoup le travail de catéchiste, mais il n'en fait pas une fonction. Il ne faut pas que le catéchiste devienne un fonctionnaire. Et quand il dit donc qu'il rajoute que c'est une vocation, il situe vraiment comme un don, un service qu'on vient rendre à l'Église par un appel de Dieu. Eh bien, Léontine, c'est exactement ça. Elle disait, c'est une affaire de cœur, le catéchisme. Donc, c'est ça que le pape François met en relief aussi. Donc voilà, il y a un écho entre le pape François et Léontine que je trouve intéressant et qui peut peut-être parler, rendre un service à l'Église d'aujourd'hui. Ce ministère relié à Mlle de Livette, ça va être un beau témoignage et une invitation à des catéchistes de faire un pas de plus pour être catéchiste reconnu. Elle remplissait sa mission et quelque part disparaissait après. Quoi. Des garçons qui m'en ont parlé, pour eux non. On va au caté, point terminé, puis ça y est, on avait envie ou on n'avait pas envie, mais on y allait, ils y allaient quand même. Maintenant, ça fait un an, un peu plus d'un an, je suis sacristain maintenant. Donc, ça ne m'a pas dépassé de... Ou elle m'a convaincu de continuer à pratiquer. Bien des choses de la religion, on en connaissait beaucoup plus que mes sœurs qui étaient à l'école des filles libres. Elles nous apprenaient plein de trucs, oui. Oui. L'enseignement religieux qu'on nous a inculqué, ben, c'était forcément, ça influence aussi notre comportement dans la vie et notre façon de voir. Et aussi d'élever nos enfants. Tout jeune, j'ai commencé comme servant de messe. Après, j'ai chanté à la chorale paroissiale. J'ai toujours été actif dans l'Église, quoi. J'ai jamais arrêté au fond. Je m'interroge souvent de savoir comment elle perçoit cette agitation autour d'elle, de là-haut du ciel. Elle doit certainement être très gênée, mais en même temps certainement très heureuse de voir que son œuvre de catéchiste soit remise en valeur et par là même sans doute donner une bonne bouffée d'oxygène aux catéchistes bénévoles actuels. Léontine, une femme libre, une laïque, baptisée, confirmée, disciple missionnaire, et en elle, il n'y a pas une once de cléricalisme. C'est une magnifique disciple missionnaire qui doit réjouir le pape François le jour où il la connaîtra. Je suis en train de me dire, depuis quelques années, on est dans le diocèse de Rennes, on est entouré, on a la joie, la chance d'être entouré de saints de chez nous. Donc, c'est assez impressionnant. Je me dis que être entouré ainsi de toutes ces personnes, spirituellement, on ne peut pas rester les bras ballants. Il faut qu'on s'y mette, nous aussi. Vous savez, les enfants, c'est pas compliqué de prier. D'abord, il faut apprendre à faire silence. Après, si vous ne savez pas quoi dire, Jésus nous a appris une prière toute simple.
Une prière que vous pourrez dire tous les jours. Le Notre Père. Voulez-vous que nous le disions ensemble ? Oui. Alors on joint les mains. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Vous savez, les enfants, le secret de Léontine, c'est celui-là. Dieu est là. Il suffit juste d'apprendre à faire silence et à l'écouter.